Ce monsieur que vous voyez à l'écran prétend être revenu à la vie après avoir passé 3 jours à la morgue. Son nom est Tokbe Chitor. Tokbe nous raconte qu'il est mort fin décembre 2021 d'une maladie. Son corps fut emporté à la morgue de Koforidua, une ville située au sud du Ghana. Monsieur Tokbe explique qu'il est Jujuman et qu'il pratique un culte spécialement dédié aux fantômes. Ce faisant, il raconte que pendant qu'il était entre ce monde et l'au-delà, ses fantômes lui ont dit que sa mort n'était pas naturelle et que c'était des sorciers qui lui avaient envoyé cette maladie de façon mystique. Ce n'était donc pas son heure de mourir. Grâce à un fétiche qu'il garde en permanence dans sa bouche et sa connexion avec les fantômes, il put revenir à la vie après 3 jours et s'est réveillé dans la morgue. Tokbe affirme que cette histoire est vraie et qu'il a encore toutes les preuves qu'il a bien été admis à la morgue fin décembre 2021. Wow, pensez-vous que Monsieur Tokbe dit la vérité? J'attends vos réponses dans les commentaires et vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, c'était Takashi Jay.